Allez. Pour saisonner, il est bon. Parce que nous, toujours, nous, tout le long de l'année, on travaille. Pendant les mois, on a un mois de plus pour le travail, pour venir. Mais nous, on a gagné là-dedans, nous. Et là, on espère que jusqu'à la fin de l'année, avec les fêtes et tout, pour revenir correctement avant. Nous, on peut attendre, on dit, de samedi, on dit, à la foule, pour venir là, pour venir, on dit, là, vous connaissez pas, tout le monde ensemble. Bon, voilà. Sinon, là, on dit, la plupart, du monde finit, connaît entièrement 100 dollars. Ça veut dire payer un morceau ici. Déjà de la voie existait ici. Ouais, depuis 30 bananes. Vous faites un appel avec. On appelle tout le monde client qui la foi, il déjà existait ici. À Monon. Oui, la foi Monon, de Révin là. Pareil. 10 mois, un morceau, l'Olari qui paye. Bien sûr. L'Olari qui paye. La foi, il l'a. Et surtout, ce qui est le meilleur, c'est aussi par rapport à un magasin, qui toujours permet de vendre l'article au trottoir. Oui, mais non, mais là, il est très chaud. C'est ça. Oui. Vous avez un délai, mon gars, là. Bien sûr. Vous, donc, il y a une manche en blanc, comment on retrouve ça? Mais il est bien, il met la loi pour tout. Il est strict, vous comprenez, là. Il va mettre ça clair. Comment on retrouve la situation, maintenant? C'est une critique, mais. Et effectivement, bon, moi, je veux dire que nous peinons le gros problème marchand ambulant à Search. Malheureusement, nous avons quelques cas, une vingtaine à 25 cas, dans le cas Citran, qui peut continuer un travail sur le trottoir, dans le canal, etc., que les autorités peuvent prendre l'action qu'ils ont besoin. Mais là, nous sommes capables de lancer un message très clair. À surtout ben marchands saisonniers qui nous connaît pendant fin novembre, décembre, un mois de décembre, là, je suis toujours là. Parce que vous connaissez, en moyenne, nous avons à peu près 1500 marchands ambulants qui travaillent dans la capitale depuis janvier jusqu'à novembre. Maintenant, arrivé au mois de décembre, nous trouvons nous avons un chiffre qui varie jusqu'à même, peut-être vous pouvez tenir, de 4000 du monde qui travaillent. C'est-à-dire, nous avons un marchand saisonnier, ben du monde qui descend pour lui. Que ce soit les Paulisiens ou ben, du monde qui reste à travers l'île, qui vient à pour lui, qui vient en famille, et n'a prend congé, et n'a qui déjà en peut-être pas de néglige de travail pour un mois, mais je viens travailler dans pour lui, c'est plutôt pour autres, quand nous disons je viens travailler la vie pour lui. Je peux dire franc, tout comme l'année dernière, nous pas pour autoriser aucun marchand saisonnier pour travailler dans les rues de la capitale. Pourquoi? Première chose, nous avons l'aspect de sécurité, nous avons l'aspect de le jugement de la cour, 500 mètres avec le marché, etc. Tout ça là, c'est bon. Mais point fondamental, c'est quoi? Ben shop owners, ben marchand ambulant, qui sont là pendant un an. Depuis le mois d'avril, qui nous fait une arrêt. Nous empêchons ben du monde de travailler au chemin. Bon, tu as une réticence, je finis coopérer avec nous. Je finis rentrer dans un site qui octroie à Zut. Mais je finis déjà peut travailler dans un site pareil. Je finis, d'ailleurs, beaucoup finissent dire, moi, ça ne prend peut-être 2 mois, 3 mois pour je faire une certaine clientèle. Aujourd'hui, ça m'a dit monde là. Nous disons, je comprends, je n'ai pas de place qui nous finit dans un temporaire. Vous connaissez pas idéal, temporaire, mais le grand projet peut venir à grands pas. Mais, je ne suis pas capable de laisser quelqu'un qui pas travaille de janvier, dans le mois de juin, juillet, qui travaille un petit peu bas, il pas travaille, mais par contre, décembre, il vient là, il travaille, ou il vient devant le magasin, il obstruer sa trottoir là, et il peut frais, il peut non, le magasin là, il peut payer ce loyer, il peut payer ce bon travailleur, il peut payer ce licence, mais c'est impensable, nous pas pour accepter ça. Maintenant, le deuxième problème que nous avons avec certains magasiniers, c'est que je continue à exposer l'article en dehors de notre magasin. Trottoir, au vent, ou même la varangue, etc., nous pas autorisés. D'ailleurs, nous suivons toute une procédure normale, nous finissons informés, nous mettons communiqué de presse, nous nous trouver, et aussi nous finissons dire, si ça peut continuer comme ça, nous nous donnons un délai pour enlever toute une structure qui est ajoutée, qui n'est pas dans notre building and land use permit. Alors, nous pouvons saisir ça dans l'article là, et si besoin enlève ça dans obstruction qu'ils ont mettait là, nous pour enlever ça. Pas de manière structure là plutôt, nous pour enlever ça, manière structure là, c'est n'a pas enlevé. Parce que, get ça, tous les temps, nous avons une cause avec eux, je te dis, nous, un marchand ambulant devant nous, si nous ne bloquons pas trop autour là, je ne prends pas un marchand ambulant qui peut venir là. Aujourd'hui, marchand ambulant est allé.
c'est le problème. Nous avons dit qu'il est résolu à 95%. Comme on dit, quelques récalcitrants, malheureusement, nous n'avons pas. Ça aussi, là, les autorités peuvent dire avec eux. Mais c'est ça le message, c'est que nous pas pour autoriser les marchands saisonniers descendre dans la capitale pour venir faire un business en décembre, quand au détriment, nous avons marchands, nous avons magasinés qui l'ont pendant un an. C'est ça.